Cette vidéo est présentée par le programme EA Creator Network. Coucou à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la sortie du pack Grandir Ensemble qui est sorti donc le 16 mars. Et qui dit nouveau pack dit forcément nouveau crac-crac. Et qui dit nouveau crac-crac dit forcément petite vidéo dessus. Tout ça bien entendu pour faire avancer la science, vous le savez. Je ne fais ce genre de vidéo que pour la science. C'est pas du tout mal placé ou je ne sais quoi. Non, c'est uniquement pour la science. Et puis ne jouez pas les innocents avec moi parce que j'ai quelque chose qui s'appelle des statistiques. Je sais très bien comment vous êtes arrivé ici. Je sais très bien pourquoi vous regardez cette vidéo. Et n'essayez pas de me faire croire que vous êtes choqué, outré ou je ne sais quoi. Je vous connais. Hein, j'ai des statistiques pour ça, d'accord ? Et vous pouvez compter sur moi pour vous donner exactement ce que vous êtes venu chercher. On se retrouve donc tout de suite in-game pour tester ce nouveau crac-crac dans un but uniquement scientifique, of course. Pour cette nouvelle avancée de la science, j'ai donc fait appel à mon avatar, hein, quelque peu relooké hein, pour l'occasion, ainsi que à Sean qui était disponible hein, en ce moment. Du coup, j'ai fait appel à lui, je me suis dit que ça pourrait pas manger de pain, voilà. Donc, nous avons emménagé dans une maison du nouveau quartier Saint-Sequoia, et j'ai donc dû virer une bonne partie du jardin, parce que, attention, faire avancer la science, ça prend de la place. Et ça se mérite aussi, parce que nous allons donc devoir construire nous-mêmes cette cabane pour pouvoir aller faire crac-crac. Et puis bah j'ai mis l'été en me disant il fera beau, ça sera sympa. Oui, j'avais oublié que là-bas, visiblement, ils n'ont pas le même été que chez nous. Donc c'est pas grave, on va construire la cabane sous la pluie. Tu veux ton crac-crac ou tu ne veux pas ton crac-crac? À un moment donné, faut savoir ce que tu veux dans la vie. Si tu le veux, action-réaction. Donc on va aller construire la cabane et on se retrouve juste après. Et voilà notre cabane après très exactement 3 heures de bricolage Sims à eux deux. Ils ont réussi à monter cette cabane. Nous allons donc pouvoir tester le crac-crac tout de suite. Si, voilà, nous allons donc faire crac-crac avec Sean. Donc nous allons voir tout ça. Salut, toi, moi, la cabane, tout ça. Ouais, ok, cool. Ouh, allez, on y va. Attends, je bois un coup d'abord. Non, finalement, non, j'ai changé d'avis. C'est important de s'hydrater. Surtout, hydratez-vous. Donc, allez, Sean, il va en courant. Visiblement, la cabane, c'est son trip. Tu veux pas attendre qu'il soit monté d'abord? Non, parce que là, c'est très bizarre. Enfin, je sais que vous êtes partis pas pour cueillir des marguerites, mais enfin, quand même. Alors, on y va. Et de 1, allez, viens, commande. Et de 2, bon, bien entendu, on ne voit rien, hein, comme d'habitude. Hein. Est-ce que les rideaux vont bouger un petit peu quand même? Est-ce que ça va trembler les rideaux? Est-ce que ça va feu d'artifice les rideaux? Je ne sais pas, nous allons voir ça. Bon, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, mais bon, on a l'habitude. Hein. Bon, hein, ça s'intensifie un petit peu, les choses deviennent sérieuses. Ah, oh bah je suis un peu déçue. Ok, feu d'artifice, mais moi je pensais, je sais pas, les rideaux ils allaient, se soulever un petit peu. Enfin, je sais pas moi, mais c'est quoi ces crac-crac qui manquent d'animation? Putain, il est où le gars qui avait fait l'animation pour le jacuzzi? Non mais faut le réembaucher, hein, parce que clairement c'était quand même vachement plus... Enfin là il se passe même pas grand-chose, même les rideaux, moi je m'attendais à ce que les rideaux frétillent, quoi, je sais pas. Non, ça fait 2-3 fois que dans ma recherche de la science, je suis un peu déçue quand même. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. Vraiment. Bon, c'est pas grave. Ça, pour les amoureux de la science, ça permet d'avoir plusieurs possibilités. Mais néanmoins, on pourrait faire mieux que ça, quoi. Voilà. Bah écoutez, c'était crime pour la science. Je suis ravie d'avoir fait un peu avancer les choses encore une fois. Hein, très important. Je vous fais plein de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !